Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vais vous montrer comment régler le problème des données mobiles qui ne marchent pas. Oui, comme vous l'avez bien vu, cette commentaire que j'ai mis ici à l'écran, c'est un commentaire d'un abonné, c'est Boubukari. Bon, j'ai fait un petit dédicace. Le but de cette vidéo là, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a demandé ça en commentaire. Et je vous conseille aussi de faire de même. Si vous avez des problèmes, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai beaucoup de tutos pour vous. Donc je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que d'après mes recherches, j'ai trouvé trois astuces que vous allez faire pour pouvoir résoudre le problème des données mobiles. Donc restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, je voudrais aussi vous demander, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, direction mon intro. Donc là, pour régler le problème, vous allez dans paramètres. Après avoir entré dans paramètres, vous allez cliquer sur réseau de données mobiles. Vous allez chercher vos données mobiles ici, réseau. Ça y est, je l'ai trouvé, je clique. Ensuite, là, vous allez chercher données mobiles. Les données mobiles, donc on va chercher ça, il est là, donc on va cliquer là aussi. Vous avez beaucoup de choix, mais vous avez le nom du point d'accès. Vous allez cliquer nom des points d'accès et là vous avez les trois petits points en haut à droite. Ces trois petits points là, des fois ça dépend des téléphones que vous utilisez, vous pouvez l'avoir en bas, mais l'essentiel, vous allez le chercher. Après l'avoir trouvé, vous cliquez dessus. Ensuite, rétablir paramètres par défaut. Des fois ça met réinitialiser, donc vous allez cliquer et tout ça c'est bon. Maintenant vous avez réinitialisé. Alors ce que vous allez faire, c'est activer votre donnée mobile. Si ça ne marche pas, je vais vous proposer tout de suite une deuxième et une troisième méthode. Donc celle-là, c'est la première méthode. Si vous le faites, ça ne marche pas, vous pouvez faire la deuxième et la troisième méthode que je vais vous présenter. Donc pour la deuxième méthode, si vous avez fait la première et ça ne marche pas, vous allez venir ici. Vous allez descendre là comme ça et vous allez activer votre mode avion ou bien mode comme ça ici, le mode avion là, ici mode hors ligne. Vous allez cliquer, on l'active, vous allez l'activer une minute, après vous allez désactiver comme ça. Maintenant vous allez voir encore si votre donnée mobile marche. Si ça ne marche pas, vous allez essayer la troisième astuce. Et de ce fait, la troisième astuce, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est éteindre votre téléphone. Vous allez l'éteindre. Après, vous allez sortir votre carte SIM et l'insérer encore. Après l'avoir inséré, vous allez maintenant allumer votre téléphone et peut-être ça va marcher. Donc je vous souhaite bonne chance et si vous avez d'autres problèmes, vous pouvez les poser dans les commentaires.